Nous parlons toujours de digitalisation, mais cette fois dans l'invité du journal. Dans cette page, nous nous intéressons à la 4e édition de l'African Digital Week qui se tient du 19 au 24 avril 2024 et c'est une initiative de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI et ses partenaires. Et justement, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Didier Kla, il est administrateur du groupement des opérateurs des TIC. Partenaire privilégié de cet événement. Bienvenue, Monsieur Didier Kla, sur notre plateau. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Merci. Tout le plaisir de vous recevoir. Oui, nous sommes très ravis, au nom du Gothique, d'intervenir ce soir dans votre émission. D'accord. Alors, Monsieur Didier Kla, si on vous demandait de nous présenter l'African Digital Week et ses enjeux. L'African Digital Week est un forum qui est organisé par la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, dans le but de réunir les experts dans le domaine des technologies, de l'information et de la communication, d'une part, mais aussi des experts dans d'autres domaines, parce que les technologies, l'information et de la communication impactent tous les secteurs d'activité. Et donc, cette rencontre annuelle se fait autour d'une thématique. Elle se fait autour d'une thématique, et cette année, la thématique, c'est la 4e révolution industrielle, promesse pour l'Afrique. C'est une question qu'on pose. Et donc, au cours de ces 3-4 jours, ce sera l'occasion, l'opportunité pour ces différents experts-là et toutes les invités et les participants d'échanger autour de la thématique, de cette thématique-là. Il y aura des workshops, il y aura des panels d'échange, il y aura aussi des expositions d'entreprises pour montrer leur savoir-faire. D'accord. Voilà. Et cette 4e édition annonce une innovation, plusieurs d'ailleurs, dites-nous. Non, mais écoutez, comme chaque année, hein, et il y aura l'Hackathon, qui est quand même importante cette année, mais il y aura aussi la cérémonie de récompense des différents acteurs qui ont contribué au développement des technologies de l'information et de la communication en Côte d'Ivoire ces dernières années. Donc je crois que c'est le tournant important de cette rencontre-là, en plus des échanges qui ont lieu. D'accord. Qu'est-ce que les opérateurs des TIC, notamment ceux du Gothique, attendent réellement des résultats de ces assises? D'abord, ces assises, ce qui est important à noter, c'est l'expertise locale. D'accord. Le Gothique représente la crème des entreprises qui travaillent dans le domaine des TIC en Côte d'Ivoire, et c'est l'occasion de montrer le savoir-faire des entreprises locales dans le domaine des TIC. Ça, c'est quelque chose d'important. Et deuxièmement, il faut aussi, c'est l'occasion aussi de sensibiliser les populations sur l'importance des TIC dans l'app. Et comme c'est l'occasion aussi de sensibiliser tous les acteurs économiques de l'importance des TIC pour l'amélioration de leur productivité et leur compétitivité. Et montrer l'importance des TIC dans le développement socio-économique des États aujourd'hui. Et tout État qui se veut moderne devra comme construire des routes, construire une infrastructure TIC robuste. Voilà. Bien. Et vous, en tant qu'opérateur des TIC, que pensez-vous de l'évolution de ce secteur? L'écosystème des TIC en Côte d'Ivoire et généralement en Afrique a évolué positivement. Et ces dernières années, elle évolue à une vitesse exponentielle parce que nous avons dans nos différents pays les technologies les plus récentes, on a des compétences qui se développent. On a un ensemble de start-up aussi qui sont très innovantes, qui se mettent en place et ça, c'est encourageant pour l'avenir. On a de l'expertise locale aussi qui commence à être de plus en plus importante et il faut continuer parce que c'est un domaine qui va continuer à se développer dans les années à venir. Il faut continuer à investir, il faut continuer à encourager les initiatives dans ce domaine. Alors, M. Didier Kla, c'est la fin de notre entretien. Nous allons vous demander votre mot de fin. La thématique de l'African Digital Week de cette année est une thématique très importante parce qu'elle est au cœur de la transformation des entreprises. L'industrie 4.0, c'est l'automatisation, l'amélioration des processus de production au niveau des entreprises. Et elle embarque des technologies telles que l'intelligence artificielle, elle embarque des technologies telles que la big data, que l'Internet des objets, qui sont autour de la 5G
en termes de connectivité. Et c'est une thématique enrichissante hein, qui touche l'ensemble des secteurs d'activité. Et la production industrielle, on en parle, mais dans les domaines comme la santé, c'est des domaines qui sont impactés par toute cette révolution industrielle-là. Donc, nous invitons tous les acteurs des différents secteurs d'activité à venir participer et à découvrir toutes les évolutions qu'amène l'industrie 4.0 dans leurs différents secteurs d'activité. Merci. Alors, l'appel est donc lancé. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci. Monsieur Didier Kla, je rappelle que vous êtes administrateur du groupement des opérateurs des TIC Gothic et avec vous, nous avons parlé des enjeux de l'African Digital Week. À bientôt. Merci.